En Syrie, les rebelles affirment avoir lancé une contre-offensive à Alep et même repris certaines positions dans le quartier de Saladin. L'armée régulière affirmait encore récemment que cette zone était sous contrôle. Les combats de ce dimanche ont été particulièrement intenses, non seulement à Alep, mais aussi dans d'autres villes du pays, comme Homs ou Idlib. Au total, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, proche de l'opposition, parle d'au moins 150 morts pour cette journée de dimanche. Pour sa part, le président du Conseil national syrien, un des principaux mouvements issus de la rébellion, a demandé l'instauration de zones d'exclusion aérienne près des frontières turques et jordaniennes. Selon lui, cela permettrait de protéger les réfugiés voulant fuir les violences. La crise syrienne sera au cœur des discussions du sommet de l'organisation de la conférence islamique qui s'ouvre demain en Arabie saoudite. Les pays musulmans sont divisés, les uns appuient le président Bachar al-Assad et les autres soutiennent les insurgés. Des insurgés qui seraient à l'origine de cette vidéo publiée sur Internet. On y voit des corps d'officiers de l'armée être jetés du haut d'un immeuble. La vidéo aurait été tournée à al-Bab, une ville de la province d'Alep. Il est cependant impossible de confirmer avec certitude ces informations.